nous sommes des êtres d'espace. Nous ne pouvons pas structurer notre vie en dehors d'un lieu ou des lieux. D'ailleurs, tous nos souvenirs sont en rapport à des lieux dans lesquels nous avons vécu. Bon aussi bien que mauvais souvenirs. J'ai été frappé par cette phrase qui concerne notre espace, l'endroit où nous nous positionnons, les postures que nous prenons par rapport aux autres. Si tu te mets devant, mets-toi pour défendre, non pour mettre à l'ombre. On peut se mettre devant quelqu'un tout simplement pour l'amoindrir, pour l'écraser, pour le mettre à l'ombre. Si tu te mets derrière, mets-toi pour soutenir et non pour te cacher. Très souvent, on ne veut pas s'exposer, et si on se met derrière, c'est pour quelque part rester dans l'incognito, s'isoler, se cacher et même fuir. Non, si tu te mets derrière, mets-toi pour soutenir l'autre que tu voudrais encourager. Et finalement, si tu te mets à côté, mets-toi pour étreindre et non pas pour te comparer. Combien de fois, eh bien, on se place justement à côté, tout simplement pour nous comparer. L'idéal serait de nous mettre à côté pour étreindre, nous mettre devant, n'est-ce pas, pour défendre, et nous mettre derrière, eh bien, pour soutenir ceux avec qui nous sommes en relation.